Donc je remercie les organisateurs et tristes de ce congrès de m'y avoir invité. Et donc j'ai accepté, y compris de répondre, de réfléchir à cette question telle qu'elle m'était proposée par les organisateurs et tristes. Donc, quels effets de l'instrumentation dans l'accompagnement des disques, mais pas un titre que j'ai choisi, mais un titre sous lequel j'ai accepté, avec lequel j'ai accepté de réfléchir. Alors j'ai trouvé dans un premier temps que finalement c'était un énoncé très contemporain, et donc j'ai essayé de trouver quelques définitions, en tout cas à première vue. Alors la première des définitions, c'est moi qui l'ai inventée, je ne l'ai pas trouvée dans un dictionnaire, mais j'ai inventé ça comme si j'étais dans une vingtaine d'années, et je me suis dit que peut-être on pourrait définir le terme disque comme un terme utilisé au XXIe siècle en France, pour désigner une catégorie de troubles spécifiques ou bien de personnes ayant ces troubles spécifiques, apparus donc en milieu scolaire. Voilà, a priori, cette première définition que l'on peut avoir des disques, on va y revenir évidemment. Alors, instrumentation, c'est un terme assez sérieux et que les psychologues du premier et du second degré connaissent bien. Ah oui, Laure a oublié de dire dans sa présentation que j'ai quand même été psychologue dans l'éducation nationale pendant 15 ans, ce qui quand même, est tout à fait présent pour moi aujourd'hui. Donc, instrumentation, c'est, vous voyez, c'est en parlant d'instrumentation que ça me revient. instrumentation, bien, c'est l'ensemble des instruments de mesure, d'analyse et d'observation, et bien, que peuvent utiliser notamment des professionnels dans l'exercice de leur métier. Et accompagner, on en parlait, alors ce matin, nous avons bien sûr eu un spécialiste sur le concept d'accompagnement, ce qui n'est pas mon cas, ce n'est pas un concept sur lequel j'ai travaillé, donc j'ai été très intéressée d'entendre ce matin ce qui pouvait en être dit par notre collègue. Donc moi, je suis allée regarder le Larousse et j'ai trouvé trois définitions du terme d'accompagner, mais qui me paraissent finalement assez congruentes avec ce que j'ai entendu ce matin. Être avec, aller avec, première exception. Mener, conduire quelqu'un quelque part. Alors ça suppose qu'on sache où. La dernière acception m'a intéressée, c'est accompagnement au sens musical, donc d'un instrument qui soutient un autre instrument ou le chant, et il me semblait que cette acception-là était assez intéressante à envisager pour ce qui concerne notre pratique, enfin cette pratique. Donc quelques mots sur la présentation de l'intervention. Je pense que je vais être amenée à raccourcir des morceaux pour pouvoir discuter avec vous à la fin, enfin entendre vos questions. Donc un premier point sur les 10. Bon, que j'ai articulé autour de controverses, médiatisation et médicalisation. Donc vous voyez un peu quand même l'orientation dans laquelle je vais y être. Hein. Bon. Deuxième grand point, l'instrumentation. Alors j'avais noté une pratique qui date, parce que finalement, concernant les psychologues en tout cas, l'instrumentation est aussi vieille que le métier de psychologue dans l'éducation. Donc à la fois la place de la mesure donc dans l'invention de la psycho, et puis les enjeux de cette mesure jusqu'à ce que ça pose comme question aujourd'hui. Et puis, bon, ça, ce sera plutôt conclusif, s'orienter à l'école, quel accompagnement. Je n'ai pas du tout la prétention de répondre à cette question, mais il y a un contexte de l'école aujourd'hui et cette tension qui était exprimée déjà ce matin sur la question de l'individualisation, que j'ai associée ici à l'idée d'inclusion, puisque je traite aujourd'hui quand même d'un public que l'on dit à besoin éducatif particulier ou en situation de handicap pour lequel le terme d'inclusion est particulièrement dédié. Et enfin, pour conclure, l'idée de responsabilité, la notion et le concept de responsabilité sur lequel je n'ai pas encore travaillé me paraît un concept intéressant et riche. Voilà. Donc, bon, je vais donc démarrer par les 10. Donc, depuis une quinzaine d'années en France, on trouve des textes officiels dans l'éducation nationale qui demandent qu'une attention particulière soit portée par les enseignants et les équipes éducatives à l'égard des élèves présentant des troubles des apprentissages. Dans le même temps, vous l'avez constaté comme moi, dans la presse et sur le web, de nombreux articles sont publiés sur ce sujet, dans des revues et surtout sur des sites d'associations spécialisées qui sont lus par un assez large public, pas seulement des enseignants mais aussi des parents. Donc en fait le terme et la notion de trouble des apprentissages se sont désormais installés dans le monde scolaire et l'usage du préfixe 10 s'est banalisé à l'école mais aussi dans l'opinion publique.
C'est intéressant de noter que l'usage de ce terme a remplacé les termes de difficulté et d'échec scolaire qui, eux, ont totalement disparu du vocabulaire franc. L'idée est que cette évolution marque certainement un changement de registre, en tout cas c'est mon hypothèse, je ne suis pas la seule à la soutenir, qu'il est donc intéressant de souligner. Donc étymologiquement, le terme de trouble n'est pas banal puisqu'il renvoie à une approche de l'humain qui est centrée sur les fonctions de l'organisme. On parle de trouble des fonctions et donc leur perturbation, altération ou modification pathologique. Le trouble en tout cas est instrumental et il peut présenter des dysfonctionnements. Il présente des dysfonctionnements qui peuvent être rééduqués, compensés, palliés. Donc, les troubles des apprentissages, comme vous le savez, sont d'ailleurs reconnus dans les classifications médicales internationales, que sont la CIMDIS, alors classification internationale des maladies, que tout le monde connaît ici, je suppose, le DSM-5 qui vient de sortir après le DSM-4, et donc sous la rubrique troubles spécifiques des acquisitions scolaires, on va trouver rangés. Alors les troubles de la lecture, de l'orthographe, de l'arithmétique ou à l'INSERM, une classification légèrement différente, ce qui montre bien un certain flou quand même dans ces catégorisations. Mais ce sur quoi je voulais attirer l'attention là, c'était sur le fait qu'il s'agit bien d'une classification médicale. Hein. Donc on est bien passé d'un registre qui était celui des difficultés scolaires ou d'échecs scolaires propre à l'éducation, à un registre qui se situe dans le champ médical. Vous le voyez, je ne l'ai pas précisé là, mais font partie également des troubles des apprentissages pour l'INSERM, mais pas pour la CIMDIS. Bon, ce qu'on appelle les troubles de l'attention, je précise ce terme parce que je vais revenir sur les troubles de l'attention tout à l'heure. Alors, je parlais tout à l'heure de controverse. Hein, je vous avais annoncé que j'évoquerai une controverse au sujet des troubles des apprentissages. Donc, en 2007, vous vous en souvenez sûrement, l'INSERM a publié un rapport sur les troubles précoces de l'apprentissage, qui était le résultat d'une expertise collective que l'Institut national de la santé et de la recherche avait réalisée. Dès sa sortie, ce rapport a fait l'objet d'une controverse importante au point qu'un article dans Le Monde lui a été consacré le 16 février 2007. La critique portait sur deux points. Elle était d'une part politique et d'autre part épistémologique ou scientifique. La critique portait sur cette idée que le repérage précoce des troubles et des apprentissages sur la base de signes prédictifs réactiver finalement une polémique de l'année précédente, dont vous vous souvenez sûrement, où il avait été question, par l'INSERM déjà, de signes prédictifs, de troubles du comportement, qui avaient donné lieu à une pétition et à un pas zéro de conduite assez musclé, jusqu'à d'ailleurs être condamné par le Comité national d'éthique. Bon, on trouve ça dans Le Monde, là il y a un article le 8 février 2006. Bon, il se trouve qu'en effet, ce rapport sur les troubles d'apprentissage est finalement un sujet aux mêmes critiques de la part de ses détracteurs. Donc la critique, elle est scientifique et épistémologique, comme je le disais, puisqu'en fait, dans ce rapport, les troubles des apprentissages sont attribués à des déficits en partie génétiques, ce qui a suscité de vives réactions parmi les lecteurs, et notamment Roland Rory, dont je crois savoir qu'il viendra dans les jours qui viennent, qui a souligné le fait que cette étude scientifique de l'INSERM s'appuyait sur des données théoriques et méthodologiques exclusivement situées dans le champ des neurosciences et du cognitivisme, ce qu'il a souligné comme étant une rhétorique scientiste. Je reviendrai sur le terme de scientisme. Donc des voix se sont élevées à la suite de Roland Rory contre les dangers d'une approche qui, privilégiant les facteurs génétiques, prétend du coup ignorer les facteurs sociaux et pédagogiques prégnants dans les difficultés scolaires et d'apprentissage,
pour privilégier des thèses fondées sur une approche neuro-psycho-biologique des comportements. Bien, ça, c'est donc la critique qui est sortie à cette époque-là. Pourtant, dans les années qui ont suivi, donc là on est en 2006-2007, dans les années qui ont suivi, ça fait donc 10 ans cette affaire, eh bien, nous avons pu voir, vous, les parents d'élèves, dans la presse, nombre d'articles dans lesquels les problématiques liées aux apprentissages scolaires se trouvent associées toujours au registre de la maladie, et même de la maladie mentale, avec un ancrage génétique qui continue à être développé. Alors j'ai juste saisi, capturé sur écran, alors on voit pas très bien, mais je suis désolée, je ne suis pas très bonne en haute définition, voilà, j'ai pas pris le temps de le faire en tout cas. Alors ça, c'est un dossier qui m'avait beaucoup choquée à l'époque, alors j'étais contente de pouvoir vous faire partager mon émotion du moment, qui m'avait un peu passée, mais la colère m'a repris. Donc ça, c'est donc une revue enfin, tout à fait sérieuse que vous devez lire comme moi, certes de vulgarisation, mais quand même dans laquelle on trouve des choses intéressantes, qui fait un dossier donc, en 2010 dédié aux troubles mentaux, comme vous le voyez. Et alors vous ne voyez peut-être pas, mais parmi ce qui est indiqué en bas, troubles mentaux, vous voyez, alors on voit schizophrénie, délire paranoïaque, dépression, dyslexie. Ça m'avait choqué, ça continue à me choquer. Donc je voulais vous faire partager, moi quand je partage le fait d'être choqué, je suis un peu moins, donc ça va mieux pour moi, pour vous je ne sais pas. Mais voilà. Donc en tout cas, qu'est-ce que ça amène comme question? Enfin, en tout cas, pour moi, là, les questions que je voulais amener, c'est comment se fait-il que, malgré les critiques qui sont sorties donc après ce fameux rapport, le discours, celui qui est porté là par Sciences Humaines, ce discours se soit imposé en France par la presse interposée, mais se soit bel et bien imposé. Et deuxième question, c'est quels effets est-ce que cela a d'inclure les 10 dans les maladies mentales? Est-ce qu'on peut s'imaginer que ça n'a pas d'effet? Ou bien, si on peut imaginer que ça en a, alors lesquels? Il me semble que c'est une question qui vaut la peine de se poser. Je n'ai pas la réponse, mais au moins poser la question, c'est pareil, ça va mieux après. Alors, j'ai trouvé quelques éléments de réponse, en tout cas à la première question que je pose, c'est-à-dire comment se fait-il que ce discours-là scientiste, je vais revenir sur le terme, se soit imposé dans l'opinion publique. Alors j'ai trouvé un élément de réponse dans les travaux de quelqu'un que vous connaissez peut-être qui s'appelle François Bonon. Alors François Bonon, c'est quelqu'un de très sérieux. Il est neurobiologiste. Et donc au CNRS à Bordeaux. Et donc il a publié un article qui s'appelle La psychiatrie biologique, une bulle spéculative avec un point d'interrogation dans une revue qui est même très sérieuse qui s'appelle Esprit, mais qui est quand même beaucoup moins médiatisée, vous en serez d'accord, que Sciences Humaines. Et donc je parle de cet article aujourd'hui parce que il me semble que les propos qui soutiennent à cet article sont tout à fait importants à connaître pour nous. Donc, elle s'interroge, François Bonon, dans cet article, sur le mode de production, justement, du discours scientifique. Et il, notamment, se demande pourquoi une conception exclusivement neurobiologique des troubles mentaux se diffuse dans le grand public, et pourquoi le grand public adhère à cette diffusion. Alors même, dit-il, que des scientifiques aujourd'hui, et parmi eux des défenseurs d'une vision génétique déterministe, revoient actuellement leur conception et reconnaissent aujourd'hui un rôle central de l'environnement dans le développement des troubles mentaux. Donc en fait, il va analyser dans cet article, vous pouvez le lire vraiment avec bénéfice, il analyse des articles de recherche de ses collègues pour essayer de comprendre comment se provoque cette distorsion de l'information jusqu'à devenir ce qu'elle est dans les médias. Et il se demande donc comment ce discours abusif, ce sont ces termes, est produit, et quel est aussi son impact sur le public, et quelles sont également ses connaissances sociales, ses conséquences sociales. Donc les résultats de son analyse très précise mettent en évidence deux arguments principaux. Le premier argument, c'est que les conclusions des travaux scientifiques sont le plus souvent déformées au moment de leur
présentation dans les médias. Il travaille notamment là, c'est pour ça que je vous disais que je reparlerai de l'hyperactivité, sur le lien entre TDAH, ça vous parle TDAH ? Bon. Parce que moi je ne me rappelle jamais dans quel ordre c'est le trouble de l'attention, l'hyperactivité, enfin bref, voilà. Mais c'est ça. Donc, il travaille sur des articles qui ont cherché à trouver un lien scientifique, évidemment, entre le TDAH et un gène qui serait en cause dans le TDAH. Donc, il analyse tous les articles qui sortent scientifiques sur cette question. Et donc, il montre que, alors, il montre qu'il n'y a pas de rapport de causalité démontré sur cette question, voilà. Mais ce à quoi il s'intéresse dans cet article, c'est de montrer comment ça se fait que, pourtant, la réalité qui se diffuse, c'est que le TDAH est quelque chose qui a un rapport avec un gène. Voilà. Et donc, il montre que, en fait, des résultats de recherche positifs, surtout s'ils sont les premiers sur un sujet, des résultats positifs. Hein. En recherche, il y a des résultats positifs, des résultats négatifs. Quand il y a des résultats positifs qui sont trouvés, ils sont publiés très rapidement. Les médias, ils sont publiés dans des articles scientifiques, tout de suite, parce qu'il y a une grosse compétition entre chercheurs, du coup, il faut publier très vite. Du coup, ils sont publiés dans des revues prestigieuses. Ce sont ces revues prestigieuses qui intéressent les médias. Du coup, les médias publient. Mais démarche scientifique oblige, presque dans tous les cas, dit qu'on non, des études ultérieures, quelques semaines, quelques mois après, atténuent ces résultats, voire les réfutent totalement, mais comme c'est diffusé dans un second temps, les médias ne les publient pas. Donc ça, c'est le premier biais qu'il repère. Second biais, il observe parfois, et assez souvent, une incohérence flagrante entre les résultats obtenus et les conclusions des articles scientifiques. Ou une conclusion fortement affirmative dans un lien de causalité qui ne mentionne pas les éléments de résultats qui amèneraient à pondérer ces résultats. Il repère aussi de nombreuses fois des pistes thérapeutiques qui sont proposées comme étant trouvées, hein, enfin, des espoirs de pistes thérapeutiques, alors même, que dit-il, le discours de la preuve est confondu avec le discours de la promesse. Ce que relève François Bonnon, ça c'est la cerise sur le gâteau, c'est que la fréquence de ces affirmations abusives, dont je viens de parler là, augmente avec la notoriété de la revue. Et comme ces revues sont celles qui sont le plus reprises par les médias, eh bien vous comprenez pourquoi le public, du coup, se crée des représentations, fabrique des représentations erronées. Il épingle également les biais des publications scientifiques qui préfèrent citer des études qui sont en accord avec les hypothèses des auteurs allant jusqu'à générer des dogmes non fondés. On cite plutôt ceux avec quoi on est d'accord que ceux contre, enfin, vous voyez, ce qui n'est pas très propice normalement à la démarche scientifique. Et ensuite, un dernier point, je m'arrête là, c'est le vocabulaire qui est utilisé dans les articles scientifiques. Bonnon dit que ce vocabulaire lui-même produit des interprétations erronées. Alors, il relève par exemple, je trouve ça très intéressant, dans Le Monde, notre journal national, l'utilisation du terme impliqué dans un titre de ce journal en 2010, ce titre est « La génétique impliquée dans l'hyperactivité ». C'est le titre. Et Bonnon analyse la chose et dit « Le terme impliqué, qui est utilisé là par le journal, est la traduction d'un terme anglais, imprécis, mais qui ne induit pas du tout de rapport de causalité. Or, le terme impliqué induit un rapport de causalité. » Du coup, ce qu'en déduit Bonnon, c'est que les imprécisions de vocabulaire affectent la compréhension du grand public, qui est évidemment mal préparé à distinguer une éventualité d'une preuve scientifique de lien causal. Donc il raconte tout ça à la page 65, vous pourrez aller lire l'article, j'espère vous en avoir donné envie. Je vous dis juste quelques conséquences qu'il tire de son analyse. En termes de conséquences sociales, donc de cette distorsion du discours.
Donc, j'ai une citation. Est-ce que vous l'avez sous les yeux? Oui. Voilà, c'est ça. Donc, une de ses conséquences, les conséquences qu'il en tire, c'est celle-là. Hein. C'est-à-dire que on pourrait imaginer que le grand public ne va pas, parce que c'est génétique, exclure des causes psychologiques ou sociales. Eh bien, si. Des études ont été faites qui montrent que finalement le grand public interprète la base neurologique comme excluant une causalité sociale ou psychologique. Donc il y a des tas d'autres exemples dans son article, hein, j'ai essayé de resserrer, mais quand même d'aller jusqu'au fond de ce qu'il dit, parce qu'il me semble que ce propos est vraiment très, très important. Donc l'exemple qu'il en donne, et je conclue avec ça sur le TDAH, c'est donc les conséquences sociales. Il dit, si le TDAH est considéré comme une maladie due à un déficit en dopamine d'origine génétique, hein, c'est l'hypothèse là-dessus, on sait ce à quoi ça donne lieu en termes de traitement après, donc si on considère le TDAH comme une maladie due à ce déficit, il n'y a donc pas d'action de prévention possible. On ne peut pas prévenir. Il faut soigner avec une molécule. Or, dit Gonan, de nombreuses conditions environnementales sont des facteurs de risque pour le TDAH. Ça a aussi été démontré. Par exemple, mère adolescente, pauvreté, faible niveau d'éducation des parents. Un niveau de vie comparable, plus une société est inégalitaire, plus ces facteurs de risque augmentent. La prévention du TDAH résulte donc au moins en partie, dit-il, de choix politiques. Bien, donc je vais m'arrêter sur cette présentation des travaux de Gonan, donc je vous incite à lire pour passer au point suivant. Là, j'étais autour de médiatisation des contenus scientifiques. Donc là, je voulais aborder la question de la médicalisation des difficultés scolaires. Alors, je vais le faire en m'appuyant sur les travaux notamment de Stanislas Morel, qui est en tête là des articles de référence. Non, c'est un livre, celui de Morel, que je vous propose ici. Stanislas Morel a publié en 2014 un livre qui s'intitule La médicalisation de l'échec scolaire. Donc, ce que je vais vous raconter là, suite à sa lecture, mais pas seulement. Donc, je vous disais tout à l'heure que les troubles spécifiques des apprentissages sont venus remplacer les difficultés d'apprentissage et que du coup, on a basculé sur un registre médical, alors même que, et je voudrais insister là-dessus, les difficultés d'apprentissage ont cette caractéristique d'apparaître en milieu scolaire. Ce sont des difficultés liées à l'apprentissage en milieu scolaire. Donc dans un environnement particulier et autour d'une activité particulière qui est celui de l'apprentissage. Donc il s'agit d'obstacles rencontrés par des enfants qui apprennent à lire, à écrire, à compter à l'école élémentaire ou des choses plus conceptuelles ou abstraites dans le second degré. Donc la place qui a été prise par le discours médical, dit Stanislas Morel, à l'école, ne peut pas s'expliquer par les seules avancées scientifiques. Parce que c'est quelque chose qu'on dit souvent. Alors si on a aujourd'hui beaucoup plus de dyslexiques qu'on en avait avant, c'est parce qu'on sait mieux les repérer. C'est parce que la science a avancé et que du coup, alors certainement, hein, il y a de ça, mais Morel dit que ça ne peut pas être la seule explication. Même si en effet, cette recherche a avancé et ses applications également. Ce que souligne Stanislas Morel, c'est le rôle joué par les politiques éducatives, par les institutions scolaires, et aussi par les stratégies parentales dans la circulation et l'importance prise par les diagnostics médicaux à l'école. La médicalisation de l'échec scolaire, dit-il, apparaît plutôt comme une perspective socialement construite qui s'est peu à peu imposée comme naturelle. Alors, sans doute doit-on voir dans ce mouvement de médicalisation de l'échec scolaire, un effet de ce que Roland Gori appelle la médicalisation de l'existence, hein, dans un livre qu'il a publié en 2005 avec Del Volvo, qui s'appelle La santé totalitaire, et c'est sur la médicalisation de l'existence.
et dans lequel, en effet, il montre que dans notre culture, le domaine de la santé s'étend à tous les problèmes sociaux, politiques et psychologiques. Donc en fait, cette évolution, en effet, qui est visible dans le monde contemporain, s'inscrit en fait pas seulement à l'école, mais beaucoup plus largement dans les mutations du lien social propre aux sociétés contemporaines, et dont une des caractéristiques réside dans la valorisation de certains types de savoirs au détriment d'autres types de savoirs. Alors sur cette question des savoirs privilégiés par un paradigme dominant à une époque donnée, on trouve des éléments dans le livre que je cite là de Marie-Jean Sauré, « Malaise dans le capitalisme », hein, qui montre comment un paradigme dominant va privilégier un certain type de savoir dominant à une époque donnée, mais c'est aussi ce qu'avait montré Foucault dans ses travaux précédemment. Ainsi donc, le scientisme, qui n'est pas à confondre avec la science, bien sûr, hein, la science est la science, le scientisme, on entend dans le isme, il s'agit d'une idéologie et non pas... Donc le scientisme qui domine désormais notre monde contemporain n'épargne pas le champ de l'éducation. Maurice Tardif, que vous connaissez peut-être, qui est un chercheur en sciences de l'éducation canadien, enfin il y en a deux, il y en a un qui s'appelle Jean Tardif et l'autre s'appelle Maurice, là je parle de Maurice le Canadien, a montré dans un article que je signale là, justement que ce paradigme scientiste prévalait dans une certaine approche de l'éducation, et il montre finalement que ce scientisme a tendance à considérer et à traiter les phénomènes humains et symboliques comme des phénomènes naturels. Il insiste sur l'importance de traiter les phénomènes humains et symboliques que sont la connaissance et la culture avec des lois différentes de celles qui régissent les phénomènes naturels. Donc, dans ces modèles scientistes, les langues, les systèmes de représentation, les pratiques sociales sont ramenées à des phénomènes cognitifs et neuronaux, renvoyant eux-mêmes à des principes de causalité matérielle. Donc, on voit bien que le paradigme scientiste est un paradigme tout à fait particulier, avec une naturalisation qui lui est associée. En fait, c'est cette conception qui est sous-jacente à la notion de trouble des apprentissages. Et elle a tendance à délégitimer des savoirs issus du champ de l'éducation, puisque référés au champ de la science et au champ médical, et qui en font des pratiques, qu'il s'agisse des pratiques d'enseignement ou des pratiques d'accompagnement. Donc, pour conclure sur cette partie, je voulais citer cette phrase de Franck Chaumont, que je trouve tout à fait intéressante et que je paraphraserai volontiers, enfin, je l'ai déjà fait d'ailleurs, mais donc sa phrase c'est « Nommer hyperactivité, ce qui était agitation, prend une nouvelle valeur dans le discours et induit de nouvelles pratiques. » Donc « Nommer trouble des apprentissages, ce qui était difficulté ou échec scolaire, prend une nouvelle valeur dans le discours et induit de nouvelles pratiques. » Donc évidemment la question qui suit c'est « Quelles pratiques ?» Et là, je vais basculer sur instrumentation. Je regarde le temps qui reste, en fait. Ça fait 28 minutes que tu parles. Oui, c'est ça. 20 minutes de plus. Oui, maximum. Alors, je vais faire vite sur la partie qui suit de l'instrumentation. En plus, c'est un sujet que vous connaissez. Je voulais attirer l'attention dans ce passage en fait sur la place de la mesure dans l'invention de la psychologie. Alors à ce sujet, il faut lire. Vous connaissez peut-être le livre de Pechler je vous montre la diapo d'après parce que la citation du livre de Pechler est là. C'est l'invention de la psychologie moderne, qui me paraît un livre tout à fait contemporain et incontournable. Dans ce livre, donc, elle montre comment la psychologie a émergé donc, au milieu du 19e siècle, dans les pays industrialisés en Europe, à peu près au même moment, et aux États-Unis, et comment finalement la mesure
a collé à la peau de la psychologie dès sa naissance. Donc, je reviens sur la définition de la mesure donnée par Guilford, parce que voilà, ça paraît pas mal, assigner un nombre à un objet ou à un phénomène selon une règle logiquement acceptable, ok, ça fait réfléchir. Et deuxième citation, parce qu'elle est amusante, celle de Galton, mais qui montre bien en quoi la psychologie, si elle voulait devenir une science, devait se mettre à mesurer, ce qu'elle a fait. Hein, voilà, sans quoi elle n'accède pas à la dignité et au statut de science. Ce qui s'est passé en France, du coup je passe un peu sur ce que j'avais prévu de dire sur la psychologie aux États-Unis. Mais ce qui s'est passé en France, c'est que l'approche clinique et psychanalytique a freiné considérablement l'importance, l'impact et l'entrée de la mesure dans le champ de la psychologie. En fait, la mesure est entrée dans la psychologie par le biais de l'école, avec Beignet. Sinon, je ne vous refais pas l'histoire, tout le monde la connaît. Mais à l'école et pour le psychologue, l'usage de la mesure par l'utilisation des tests, il me semble que c'est pour ça que la lecture de Pachelet est intéressante, c'est parce qu'en fait, cet usage est un point d'appui pour le psychologue de l'éducation. C'est-à-dire le psychologue de l'éducation, dans l'imaginaire public, c'est un psychologue qui mesure. Et d'une certaine manière, le psychologue de l'éducation, il se reconnaît aussi avec une expertise de ce point de vue-là. Il est au moins expert de quelque chose, c'est de la mesure. Donc vous voyez, il me semble qu'il y a une tension dans le métier avec cette question-là, c'est qu'à la fois ça définit l'identité professionnelle et à la fois on sait bien ce que mesurer veut dire. Enfin, en tout cas, on en voit les travers et les avatars. Donc je saute mon... la dimension historique, je reprends juste cette définition de Pechelaire sur la dimension d'expertise qui me semble intéressante. Puisqu'on parlait de science et de référence à la science, la dimension d'expertise, on parle beaucoup d'expertise aujourd'hui, hein, et on va assez souvent justement invoquer le psychologue comme un expert, notamment de la mesure. Cette critique de Pechelaire sur la question de l'expertise montre bien qu'elle permet de revendiquer des connaissances exclusives qui du coup forgent une identité forte, professionnellement parlant. Donc les enjeux de la mesure. Alors j'avais choisi de citer une phrase d'Adorno, qui est une phrase un peu choc, Adorno qui dit « L'objectivité dans les relations entre les hommes qui fait place nette de toute enjolivure idéologique est déjà devenue elle-même une idéologie qui nous invite à traiter les hommes comme des choses. » Bon, ça date de 2008, cette citation. Elle est un peu musclée, mais enfin c'est juste parce que ça permet d'avoir cette idée-là en tête. Les enjeux de la mesure, en effet, c'est ce dont il s'agit. Hein. Ça nous incite à penser que le choix d'une objectivation du sujet humain, que suppose la mesure, ne peut pas être séparé d'une pensée sur l'acte même de la mesure, de ses motifs et de ses effets. Puisqu'on le voit, notamment à la lecture de Pechelaire, ce n'est pas juste une question de méthode. Mesurer n'est pas juste une question de méthode. Donc, il me semble que le métier du psychologue dans l'éducation a une dette vis-à-vis de la mesure, puisqu'elle lui doit la reconnaissance. Vous voyez ? Du coup, qu'est-ce qu'on fait de cette dette ? Ça me paraît être une question intéressante. À faire fructifier, je n'ai pas de réponse à ça, mais qu'est-ce qu'on en fait, quoi ? Quelle place est-ce qu'on donne à la psychologie dans la société moderne aujourd'hui ? Mesurer, pas mesurer, faire autre chose, quoi ? Qu'est-ce qu'on mesure et pourquoi ? Pour qui ? Bon, quelle place occupe le psychologue dans la cité ? Enfin, on pourrait aller assez loin dans ce champ-là.
sur cette question, une dernière petite citation de Marie-Jean Sauré. Dans un de ses ouvrages de 2002, La psychologie clinique, histoire et discours, qui retrace, enfin, qui conclut une partie sur laquelle je voulais mettre en évidence le fait qu'en fait, en France, il a été question qu'il y ait une psychologie unifiée. C'était le but de Lagache. Or, comme Canguilhem l'a dit, il n'y a pas d'unification possible de la psychologie. Et il me semble que dans cette citation de Marie-Jean Sauré, on lit le clivage dans la psychologie. Donc, il y a deux tendances inconciliables. D'un côté, une tendance objectivante, dans laquelle le sujet peut être pris comme un objet d'étude pour la science, mais aussi un objet d'orientation. Et une tendance subjectivante, qui considère a priori que le sujet qui parle n'est pas identique à celui dont on parle, au sujet dont on parle. Bon, je vous laisse la citation et je ne reviens pas là-dessus. Alors, s'orienter à l'adolescence, quel accompagnement? C'était le point que je voulais aborder un peu plus tard, mais je vais le faire tout de suite. J'ai encore 10 minutes, c'est chouette. Autour. Hein? Autour de 10 minutes. Autour de 10 minutes, ok. Alors, s'orienter à l'adolescence, quel accompagnement? L'école aujourd'hui, c'est Dubé qui le dit, elle est confrontée à un dilemme, poursuivre son projet fondateur d'émancipation des citoyens et de construction de vivre ensemble, tout en préparant les élèves à la logique de la concurrence et d'employabilité qui prévaut sur le marché du travail. Je cite Dubé. Donc, dans un contexte qui est marqué, on l'a dit ce matin, par un individualisme radical, Laval, dans son bouquin sur l'école capitaliste, le souligne aussi. Le système éducatif, on l'a vu ce matin encore, tente à privilégier les solutions individuelles par le biais de dispositifs toujours plus nombreux, pour tenter de résoudre le problème qui s'y pose. Alors, j'ai donné ici quelques dispositifs avec leurs abréviations, qui en sont quelques-uns parmi ceux qui existent, il y en a beaucoup d'autres, ceux-là vous les connaissez. Ce sont des dispositifs individuels, ceux-là. Alors, évidemment, on sait tous ici que certains enfants, certains adolescents rencontrent des obstacles réels dans leur accès à l'écrit, et dans l'accès aux apprentissages. Ce constat a même amené un élargissement de la norme scolaire, ce qui est très bien. On observe l'élargissement de cette norme scolaire dans les dispositifs en question. Ceci dit, pour entrer dans les dispositifs, de plus en plus souvent, on demande à ce qu'un chiffrage soit établi qui permette de déterminer si oui ou sinon le jeune rentre dans le dispositif, à droit au dispositif ou à la compensation. D'où l'expertise qui est demandée au conseiller d'orientation psychologue et au psychologue de l'éducation nationale. Un certain nombre de motifs en lien avec les difficultés d'apprentissage a complètement disparu aujourd'hui de l'interprétation que peuvent en donner les équipes éducatives et les familles. C'est ce qui serait de l'ordre d'une causalité psychique. Alors, cette réalité est certainement due à l'évolution de la reconnaissance des 10, mais on ne prend plus en compte aujourd'hui le fait que des embarras scolaires peuvent être symptomatiques d'un mal-être d'un enfant ou d'un adolescent. Bref, on ne prend plus la difficulté scolaire comme un symptôme. Bien que de nombreux travaux aient fait valoir ces réalités-là ces derniers temps. Donc, le projet d'éducation inclusive qui a été initié par la loi de 2005 voit la classe ordinaire devenir, vous le savez, la classe de référence pour les enfants qui présentent des besoins éducatifs particuliers. Donc,
les élèves qui sont diagnostiqués peuvent bénéficier des dispositifs dont il est question ici. J'ai appris récemment qu'au Canada, depuis l'année dernière, il a été décidé au niveau national de supprimer les diagnostics et les catégories. Donc il n'existe plus aucun DIS d'aucune sorte, plus aucun diagnostic ne doit circuler en milieu scolaire. Ça n'empêche pas les dispositifs, ça n'empêche pas la prise en compte des élèves en difficulté, mais les difficultés sont, on va dire, diagnostiquées, mais du coup c'est pas le terme, évaluées, établies par le milieu éducatif, enseignants et équipe éducative au sens large, et les prises en compte d'adaptation, de remédiation, d'accompagnement sont mises en œuvre à l'intérieur du cadre scolaire. L'analyse de Tremblay que j'ai entendue sur cette question était que finalement, ça ne changeait pas grand-chose. Je trouve les résultats assez intéressants. J'étais moi-même surprise. J'ai entendu ça au mois de juin dans un colloque de la REF. Donc c'est tout récent, hein, puisqu'il faisait une étude exploratoire un an après la suppression de toutes les catégories. Ce que dit Hervé Benoît, il est directeur de recherche à l'INSHEA. Eh bien, c'est que les difficultés d'apprentissage ne sont plus à attribuer à des dysfonctionnements cognitifs intrinsèques, mais doivent être analysés dans un contexte. Et il me semble qu'on se rapproche avec cette idée-là, en effet, de ce qui est mis en œuvre au Canada, notamment aujourd'hui, hein, mais qui est mis en œuvre ailleurs d'ailleurs. Donc il y a un balancier, parce que je parle du Canada, Tremblay disait lors de son intervention que juste avant de supprimer les catégories, et d'ailleurs s'ils ont supprimé les catégories, c'est qu'ils étaient à un tel excès de catégorisation que les choses avaient perdu tout leur sens. Hein, donc, voilà. Donc l'idée est bien, avec Hervé Benoît, de prendre en considération les enfants et les adolescents en difficulté d'apprentissage dans l'institution dans laquelle ils se trouvent, avec le registre de compréhension, donc les concepts aussi, qui sont ceux du champ de l'éducation. Et alors il me semble important de souligner également, je l'ai sauté là en voulant aller vite pour conclure, cette idée que l'individualisation n'est peut-être pas toujours la meilleure manière de remédier avec des élèves aux difficultés scolaires, mais que la prise en compte dans un petit collectif, un accompagnement dans un petit collectif ou un moyen collectif peut être une modalité tout aussi pertinente d'accompagnement qu'une individualisation qui peut laisser les élèves dans un isolement fort dommageable pour l'âge qu'ils ont, je pense en particulier aux adolescents, le fait de se retrouver isolé avec un diagnostic et une prise en charge afférente à ce diagnostic peut être assez traumatisant. Alors je voulais, je termine, je n'ai pas fini comme j'avais prévu, mais ce n'est pas très grave, je m'arrête. J'avais juste retrouvé cette citation de Freud que vous connaissez tous là pour introduire la discussion sur le suicide. C'est pas parce que c'est je voulais plomber l'atmosphère du tout, c'est juste parce que en fait je me suis souvenue de cette citation, je l'avais plus lue depuis longtemps, à cause de la formulation le lycée doit faire plus que de ne pas pousser les jeunes gens au suicide. Et moi, c'est parce que je m'étais dit, le lycée, on devrait quand même faire plus à l'école que de ne pas pousser les adolescents à être malades, quoi. Finalement, ils viennent à l'école, ils attrapent des maladies, quoi. Et bon, voilà, peut-être qu'en effet, on peut essayer de les amener
à autre chose que à se retrouver malade de l'école. Bon, je m'arrête là. Merci Florence. Merci beaucoup Florence. Donc il y a des collègues qui vont vous donner des micros. Alors je sais que c'est toujours difficile la première intervention, mais allez-y. Peux-tu remettre la dernière diapositive ? Avec plaisir. Alors, je ne vois pas de main se lever. Il faut bien qu'il y en ait un qui, ou une qui se lance. De repouteux de l'école, il faut que tu le vois parce qu'il va mal,
c'est aussi un vrai piège sur la profession. Tu peux faire répondre à une ou plusieurs. J'attends que je vois s'il y a d'autres gens qui veulent intervenir. Donc, d'autres interventions? Oui, je vois un doigt qui se lève là-bas. Et puis Florence répondra peut-être de manière groupée, surtout que là, Bernadette n'avait pas réellement posé de questions, mais plus un commentaire et un témoignage. Bonjour, merci. Jean-Louis de Romain-Cop à Vesoul. Alors, ma question, c'est est-ce que vous avez constaté l'existence d'un lien entre la médicalisation de l'échec scolaire et la prolétarisation de l'activité des psychologues? Je fais ici référence à la psychométrie industrielle auquel nous sommes soumis désormais depuis la loi de 2005, entre autres avec le bilan MDPH. En fait, vous avez eu la réponse dans la salle, je crois. Enfin, là-dessus, pour avoir un peu, enfin, pour rencontrer quand même assez souvent des psychologues, enfin, notamment dans le premier degré, ils disent la même chose hein, ce que vous dites là, c'est-à-dire dans certains secteurs, ils passent leur temps à faire des bilans. Et ce qu'ils disent aussi, c'est que beaucoup de, enfin, que les MDPH sont assez féroces, et demandent du chiffre, quoi. C'est ça. Hein, donc, pour moi, là, quand même, une des questions, ben, peut-être parce que vous utilisez le terme de prolétarisation, mais une des questions, c'est comment résister efficacement. Je ne parle pas juste de réagir, hein, comment résister efficacement au fait de donner des chiffres quand on pense, parce qu'on est professionnel, que ce n'est pas pertinent de le faire. Voilà, ça c'est, il me semble que c'est une question enfin, déontologique, mais éthique aussi, quoi. Le psychologue est maître de ses outils. Tout à fait, bien sûr. Mais les jeunes psychologues, parfois, ont du mal à, enfin, voilà, à assumer... Oui, c'est ça, la vraie expertise, c'est ça, je suis maître de mes outils. Je ne sais pas, je vais vous donner un chiffre. Le psychologue est maître de ses outils. Alors, Isabelle a une question là-bas, et puis monsieur ensuite. Bonjour. Une question concernant le renouvellement des tests. On passe au risque 3, au risque 4 et bientôt au risque 5. Est-ce que le fait de renouveler pour les créateurs de tests, surtout ceux qui les vendent, est-ce que le fait de les renouveler viennent oblitérer, enfin viennent rendre inefficaces finalement les anciens, ce qui pose la question de la pertinence de ces outils. Si au bout d'un moment ils sont remplacés. Ma question est la suivante, vous montrer comment on arrive à une médicalisation et un scientisme qui prend le pouvoir à travers les médias. Et en fait, les médias politiquement sont soutenus par les grandes firmes médicales et autres qui influencent dans ce sens-là. Et finalement, on a beau savoir, ça fait des années qu'on sait comment ça se passe, c'est comme si ce combat était perdu, il continue d'avancer dans le même domaine. Hein. Et du coup, comment réagir au-delà de faire en tant que professionnel, puisque ça c'est bien connu, hein. Comment réagir à la médicalisation, au scientisme qui nous envahit. Ou alors, oui, sur la question du WISC et la pertinence des outils, c'est rééchelonné pour correspondre au public, c'est ça, hein, l'idée de ces WISC 5 qui succèdent aux 4, etc. Est-ce que ça invalide le précédent? Il y a quand même une grande continuité entre le 3 et le 4 finalement, et entre le 4 et le 5, sauf peut-être ce qui serait intéressant, c'est si vraiment on finissait par se débarrasser du QI, quoi. C'est toi jamais. Mais ce serait le but. Déjà dans le 4, il a été question que le QI soit supprimé. Il y a les indices, donc chiche que le 5, hop, plus de QI. Et
Alors pour votre pour la question que comment réagir enfin il me semble que c'est davantage en tant que citoyen finalement peut-être la réaction, enfin ou en tout cas autant en tant que citoyen qu'en tant que professionnel qu'on peut réagir. Moi si j'ai passé du temps là sur l'article de Bonon, c'est parce que quand même il me semble qu'il y a justement des scientifiques qui prennent des positions aussi précise, rigoureuse et soutenue, il faut absolument lire ces gens-là et les faire connaître. Ça me semble être une des modalités de résister contre le scientisme ambiant. Enfin, voilà. Une dernière question, oui, il peut y en avoir deux dernières même. Pour rester bien dans notre. Que répondre à certains médecins scolaires dans certaines régions qui nous harcèlent, on peut dire ça comme ça, avec une demande de bilan dans le cadre d'un PAP, et qui prennent des familles en otage en disant pas de bilan, pas de signature du PAP. Oui, je crois que ça existe dans plusieurs départements, si je comprends bien. Mais faut dire non, hein. Vous avez dit non. Voilà. Vous donnez le micro. Prenez le micro. Comme ma collègue a dit, nous sommes maîtres de nos outils et en plus nous ne sommes pas sous l'autorité du médecin scolaire ni de la LDPH. Oui, je vais répondre un petit peu parce que l'année dernière, dans la Haute-Garonne, le département d'à côté, on a été en début d'année sollicité par les médecins scolaires pour des bilans, pour des PAP. Et donc, vu le nombre de PAP, si les collègues, je me suis amusée un petit peu à chiffrer ça. Et ça voulait dire que mon équipe de 8 postes, 8 conseils, 8 postes et demi, il y avait 8 postes sur les 8 et demi qui ne faisaient que ça. Vous voyez un petit peu l'intérêt de la chose. Donc, ça se discute, il faut rencontrer les médecins scolaires, leur expliquer que ce n'est d'une part pas possible, que d'autre part le psychologue est maître de ses outils. Que donc on ne va pas lui imposer quel outil. Et que, par ailleurs, d'une part, dans de multiples cas, ce n'est pas pertinent pour prendre en compte cette situation, et y compris dans certains cas, c'est même préjudiciable. Donc, il faut expliciter, dire et redire, et on en est arrivé à ce qu'il y ait un ou deux PAP par établissement où il y ait besoin de ce bilan avec discussion et accord du collègue sur après avoir reçu l'enfant, sa famille et essayer de comprendre ce qui se passait. Et c'est lui qui va dire si en effet il pense qu'un bilan peut permettre d'éclairer ou pas. Voilà. Donc, mais c'est vrai que dans toute une série de départements, il y a eu ce glissement qui faisait qu'on allait ne plus faire que ça, et sans intérêt réel. C'est fini. Ah. Estelle, Dominique. Non, Estelle, pas de raison. Bonjour, je précise que je ne suis pas conseillère d'orientation psychologue. Je suis coordonnatrice à la mission de lutte contre le décrochage scolaire, enseignante, et je remercie encore Laure Massard de nous avoir invités à participer à vos travaux. J'ai assisté à une formation il y a peu sur la question des thérapies familiales à destination de divers corps de métier.
Et un élément a été soulevé qui me semble intéressant, qui pour l'instant n'a peut-être pas été dit ici, sur la question du diagnostic, de la médicalisation, c'est que ça peut aussi être une porte de sortie pour les familles. Pourquoi ? Parce que ce qui est expliqué là par le thérapeute, c'est que pour une famille, c'est, alors je mets un terme, hein, mais ça peut être rassurant, vous comprenez ce que je veux dire par là, de dire c'est médical et donc ça n'est pas mon éducation qui est en jeu, ça n'est pas l'environnement familial qui est en jeu. Ben voilà, donc quand on est face à un enfant qui est en souffrance, c'est très compliqué de se remettre en cause. C'est très compliqué de se dire qu'on a une part dans cette souffrance, quelle que soit la part. Ici, il ne s'agit pas de la définir ou de la quantifier, pas du tout. Et que donc, c'est très humain de préférer se réfugier, on va dire, derrière un diagnostic strictement médical, plutôt que de faire un diagnostic plus large qui mettrait en jeu, y compris les fonctionnements familiaux, parce que c'était de ça qu'il était question dans la thérapie familiale. Et ce que nous expliquait donc cet universitaire, c'est que ça pouvait expliquer aussi, et ça va de pair avec ce que vous avez dit sur les médias, ça pouvait expliquer aussi pourquoi ce discours sur l'hypermédicalisation prend si facilement dans le grand public, puisque chacun d'entre nous, face à cette difficulté, peut se sentir peut-être rassuré, voilà, en se disant « ça n'est pas tout à fait ma faute, c'est la faute de la génétique ». Voilà. Donc c'était simplement, me semble-t-il, un élément en plus, et c'était voilà, très très intéressant d'avoir aussi cette entrée. Bon, mais donc on va, merci Estelle, on va s'arrêter là. Je crois qu'on peut encore remercier Florence et...